Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté au live tout à l'heure sur YouTube, vous étiez nombreux à avoir des problèmes de connexion. Eh bien voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est dit. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Caro, Caro Coach Bien-être. Je suis spécialisée dans le sport, la nutrition et le développement personnel. Si vous ne me connaissez pas, bien sachez que je suis tout simplement une passionnée de mon métier. J'adore aider les gens. Donc il était évident que pendant cette période difficile, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je trouve une solution, d'autant plus que j'ai l'expérience du confinement. J'ai vécu le cyclone Irma à Saint-Martin, j'ai été confinée 3 semaines sans eau, sans électricité. Donc vous avez aujourd'hui ce que j'appelle un confinement de luxe, mais quoi qu'il en soit, c'est dur et ça va être de plus en plus dur. Donc j'ai cette expérience, je souhaite vous la faire partager et je pense avoir trouvé donc la solution. Donc quelque part, heureusement que je l'ai vécu. Alors du coup, c'est quoi cette solution? C'est un programme que j'ai appelé Move, Déconnect and Smile. Autrement dit, bougez, déconnectez et souriez. Voilà, pour booster votre système immunitaire tout en s'amusant. C'est aussi l'occasion pour moi de vous donner des repères ou de vous redonner des repères parce que là, on est un peu perdu, on ne sait plus si on est en vacances, on ne sait plus si on est sur un rythme de travail. Donc, le fait d'être derrière vous comme ça, ça va vous permettre de garder un petit rythme de telle façon à ce que lorsque l'on reprenne après cette phase un petit peu difficile, catastrophique ou autre, que l'on puisse pouvoir reprendre une vie normale. Alors, dans ce programme, ce qu'il faut savoir également, c'est ce qu'on peut appeler un pack famille, dans le sens où il est accessible à tous. Alors, on va le diviser en deux parties, si vous voulez bien. Donc, il y a la partie sport et la partie soutien. La partie sport, je me permets de vous rappeler qu'il est extrêmement important d'entretenir sa musculature. Je pense que je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tous les coachs vous le diront. Vous l'avez sûrement entendu. Il faut au moins pratiquer 30 minutes par jour. C'est super important. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, vous devez pratiquer. Ça peut être marcher, ça peut être jardiner ou autre. Mais en tout cas, il faut pratiquer, il faut bien vous mettre ça dans le crâne. C'est vraiment très, très, très important. En tout cas, moi, je m'engage à vous suivre et à vous accompagner. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de vous proposer des cours en live et en replay. Pourquoi je fais ça? Parce que la semaine dernière, j'ai fait quelques lives et puis j'ai eu d'excellents retours, tout simplement parce que ça permet de garder contact. Je suis dans votre salon. Voilà, donc là, je n'ai pas l'air comme ça. Surtout si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas comment je donne mes cours. Mais dans votre salon, je suis quand même capable de vous apporter du peps et toute mon énergie. J'ai déjà cette expérience via mon programme de coaching à distance que je fais. Donc, je suis déjà dans le salon de beaucoup de personnes. Donc, je m'engage en tout cas à vous apporter toute mon énergie, mon peps et mon sourire. Ça c'est très important. Pour faire du sport, ce qu'il faut retenir également, c'est que ça va vous permettre de bouger, ça va vous permettre de garder le rythme, de garder la forme et puis de garder le moral. Hein, si vous faites du sport, vous savez de quoi je parle. Si vous n'en avez jamais fait, je vous assure que lorsque vous faites une séance de sport, vous vous sentez mieux après, tout simplement parce que vous allez sécréter des endorphines, ce que l'on appelle les hormones du bien-être. Donc, ça va vous permettre également de déconnecter, d'où déconnect, hein, move, déconnect and smile, de déconnecter, de vous changer les idées, de penser à autre chose. Quand vous faites une séance de sport, en général, vous ne pouvez pas penser à autre chose, ce n'est pas possible. Donc, je tiens absolument à vous changer les idées à travers ce que je vous propose. J'y tiens et je m'y engage, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir pratiquer seul ou en famille, puisque chaque cours que vous allez pouvoir prendre, il est aussi bien accessible pour 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes du foyer, pas de souci. Dans le live, on m'a demandé si on pouvait le faire avec les voisins, lol. Donc, il y a ça. Ensuite, c'est un planning que je fais sur 5 jours, puisque officiellement, nous sommes confinés une semaine. Et comme je l'ai dit dans le live, on verra la semaine prochaine, je m'adapterai, parce qu'il faut savoir aussi, j'essaye de répondre au mieux à votre demande, vraiment. Ce que je voulais aussi vous dire et attirer votre attention, alors si vous êtes sportif de nature, il est important de continuer de faire du sport pour garder le rythme, pour garder les efforts que vous avez fait, pour garder les progrès. Vous allez tout perdre, vous le savez, je vous le dis toute l'année, si en 2 semaines vous ne faites rien, vous perdez tout. Donc j'insiste vraiment, les sportifs, vous devez absolument continuer de pratiquer une activité sportive. Les non-sportifs,
vous, ça va vous permettre de garder tout simplement la forme. Donc, en général, lorsqu'on ne fait pas de sport, c'est qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas transpirer, on n'aime pas bouger. Ben, faites-moi confiance. Faites-moi confiance parce que j'ai beaucoup de retours où on me dit que j'ai donné envie au sport, que j'ai redonné goût au sport. Donc, laissez-moi essayer, même que ce soit un cours qui soit doux ou un cours qui soit intense. Laissez-moi vous faire essayer, s'il vous plaît. Laissez-moi une chance de vous faire aimer le sport parce que c'est ce qui se passe tout au long de l'année et ça fonctionne très, très bien. Alors, pour ce qui est du sport, quand même, il y a quand même des mesures de sécurité à prendre en compte sur lesquelles je suis un peu exigeante. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on pratique en chaussettes ou pieds nus. Je parle en connaissance de cause puisque je coach déjà à distance et que lorsqu'on m'envoie des vidéos et que je vois des personnes pratiquer en chaussettes à la maison, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on est à la maison que l'on doit mettre des chaussettes ou des chaussons. On pratique en basket. Ensuite, on prend une serviette, voire une ou deux, pour se créer un petit matelas pour les disciplines douces si vous n'avez pas de tapis. Et puis une serviette parce que vous allez transpirer. Et puis également une bouteille d'eau. Voilà, ça c'est important. Pour les disciplines que j'enseigne, alors d'une part, je vous invite à aller sur mon site internet dans la rubrique cours collectif. Vous avez le détail de tout ce que j'enseigne. Elles sont relativement bien expliquées. À savoir, je vous fais comme ça un petit panel vite fait. J'ai donc des disciplines douces. Donc, j'ai le yoga et le pilates. Le yoga, j'ai mis 3 cours par semaine parce qu'on va en avoir besoin. Mes cours sont d'un format de 30 minutes, sauf pour le yoga où pour le coup, je rajoute 15 minutes de relaxation. Mon objectif à moi étant de vous apporter des déclics pour lâcher prise, pour vous détendre, pour penser à autre chose et surtout si vous avez du mal à dormir. Voilà, je vais vous donner ces petits déclics. En tout cas, je m'y engage. Ça, c'est la partie yoga. Sans oublier que le yoga va vous permettre également d'entretenir votre musculature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important d'entretenir un petit peu cette petite machine. Ça, c'est le yoga. Ensuite, nous avons le pilates dans les pratiques douces. Alors, le pilates aussi est très intéressant. Non seulement ça va vous permettre de renforcer votre sangle abdominale, nous allons également travailler les muscles en profondeur dans leur intégralité, mais c'est surtout aussi que ça va vous permettre de pouvoir améliorer votre posture, surtout en ce moment. C'est-à-dire si vous êtes chez vous, dans le canapé, si vous restez longtemps dans le canapé, vous allez avoir comme ça les épaules en avant avec les réseaux sociaux, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous mangez devant la télé sur une table basse, hein, vous êtes en train de vous voûter en avant. Et du coup, votre colonne vertébrale, elle suit le mouvement. Donc, lorsque vous allez sortir du confinement, en espérant que ça ne dure pas très longtemps, vous risquez d'avoir des problèmes de dos. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à mettre en place du pilates. Voilà, c'est simple. C'est pas cardio, c'est sur un tapis, ça se passe très bien. Par contre, ça demande énormément de concentration. Et c'est ce que j'appelle une discipline santé. Hein, c'est comme le yoga. Pour moi, ce sont deux disciplines santé. Ensuite, j'ai les disciplines dansées. Voilà, donc nous avons la fameuse Zumba. Donc, si vous ne me connaissez pas, il faut savoir qu'en Zumba, je ne suis pas là pour vous donner un cours de danse. Je ne suis pas là pour vous apprendre à danser. Moi, mon but, c'est simplement de vous faire lâcher prise, de vous amuser, de crier. Vous faites les mouvements que vous voulez sur des musiques qui sont assez tendances. C'est relativement simple. Voilà, donc si pendant le cours je vous invite à crier, je vous demanderai de le faire parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de nous défouler. Donc je vais vous demander de crier. Il faut savoir que crier aussi ça fait perdre des calories, hein, comme je dis dans mes cours. C'est pas crier range ta chambre, c'est pas celui-là. Celui-là il fait pas perdre des calories, celui-là il fait monter la pression artérielle. Non, c'est plutôt un cri de joie, c'est un cri de défoulement. C'est ce qui va se passer dans mes cours de Zumba. Ensuite, dans les disciplines dansées, on a ce qu'on appelle le Piloxing SSP. Je l'ai mis le vendredi. Piloxing SSP, ça se pratique pieds nus. C'est un mélange de pilates. Donc, on retrouve encore ce gainage au niveau de la sangle abdominale. Nous avons la partie boxe pour se défouler. Donc, vous l'avez compris, dans cette période, vous allez en avoir besoin et je vous invite à vous défouler. Et nous avons également une partie dansée qui va vous permettre tout simplement de décontracter les muscles qui vont être un petit peu plus en mode statique sur certaines postures que l'on va garder en mode pilates. Bon, faut essayer pour l'apprécier, mais c'est une discipline qui fonctionne très bien. Ensuite, on a des disciplines un petit peu plus intenses. Donc, on va commencer par le HIIT. Donc, le HIIT, c'est un petit peu ma spécialité. C'est comme ça que je fais perdre du poids lors de mes coachings, parce que c'est mon gros bébé, c'est ma grosse spécialité. Cela étant, comme je l'ai dit dans le live tout à l'heure, pour les HIIT, pendant le confinement, on va juste lever un petit peu le pied. On ne va pas aller dans le rouge, tout simplement parce qu'on a reçu des recommandations de la part de
de cardiologues du sport, de la part également du ministère de la Santé. Il ne faut pas trop monter dans le rouge pendant cette période virale, tout simplement parce qu'il y a un... Alors, comme je l'ai expliqué, il semblerait qu'il y a un afflux de sang qui se crée et du coup, ça va venir contracter le muscle cardiaque. Voilà, donc ce n'est pas bon. Par contre, rien ne nous empêche de faire le HIIT au niveau 1, voire au niveau 2, mais en tout cas, on ne montera pas dans le rouge. Je ne vais pas vous pousser. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours 3 niveaux de difficulté, même dans mes autres cours. Hein, j'enseigne comme ça. C'est pas j'arrive, bim, j'envoie du lourd. Pas du tout. J'adore faire évoluer les gens. Mon métier, c'est de vous apprendre. Souvent, on me dit, mais moi, j'y arriverai pas dans tes cours. Mais alors, à quoi on sert, nous, les coachs? Nous, notre rôle, c'est justement de vous faire progresser. Donc, c'est pour ça que dans chaque cours que j'enseigne, en général, j'ai toujours 3 niveaux de difficulté. Donc, vous y allez complètement à votre rythme. Donc ça, c'est les HIIT. Dans la série intense, nous avons également le strong. Le strong, c'est issu de mouvements du karaté. Là, c'est plus chorégraphié. Ça, les mouvements sont calés sur la musique. C'est différent des HIIT parce que les HIIT, on va faire 6 exercices, 3 tours avec 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Le strong, lui, il va avoir des mouvements qui vont être calés sur la musique avec, encore une fois, des mouvements issus du karaté. Et ensuite, on a le piloxing knockout. Excusez-moi. Le piloxing knockout, et bien là, nous avons un mélange de pilates, encore une fois, de boxe, encore une fois, et knockout. Donc là, c'est un petit peu plus intense. Ça va être plutôt des squats sautés, des fentes sautées. Voilà, on est plus dans la pliométrie, on est plus dans le saut. Mais là, encore une fois, je vous rassure, pas de panique. Il y aura toujours la possibilité d'y aller à son rythme. Voilà pour ces disciplines-là. Je pense que j'ai fait le tour sur le sport. Ensuite, donc, nous avons la partie bonus. Ce que moi, j'appelle bonus, c'est cadeau. C'est ma façon à moi de vous aider. C'est ma façon à moi de vous soutenir. Donc, l'idée, c'est en fait de vous intégrer dans un groupe privé Facebook spécial Move, Déconnect and Smile. Dans ce groupe, on ne laisse pas bébé dans un coin. Voilà, je ne vous lâche pas. Je m'engage à vous soutenir. Je m'engage à vous accompagner pendant cette période difficile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'expérience, j'ai le mental, j'ai un état d'esprit positif. Je vais vous emmener vers tout ça. Je vais vous prendre par la main et on va être tous ensemble. C'est ça aussi. L'idée, c'est d'être tous ensemble. J'adore la solidarité. Donc là, effectivement, pour moi, c'est super parce qu'on va pouvoir être tous ensemble. C'est ça que je veux créer dans ce groupe Facebook. Je vais également vous partager des astuces bien-être, des astuces sportives. Je vais également vous mettre à disposition des vidéos de démonstration de posture parce qu'en cours toute l'année, malheureusement, je vois encore des gens qui ne savent toujours pas faire une fente ou un squat ou un gainage et qui au final finissent par ne plus venir parce qu'ils se sont blessés au genou. Là, on a le temps, donc autant profiter de ce temps pour se perfectionner comme il faut et de faire des bonnes postures. Donc, vous aurez ça à disposition. Quoi d'autre encore je cuisinerai pour vous aussi. Voilà, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps avec un chili con carne. J'ai eu des bons retours. Il n'y a pas de souci, je cuisinerai pour vous de manière simple, rapide et efficace. Que vous sachiez cuisiner ou non, ce n'est pas un souci. Quoi d'autre encore dans les bonus vous aurez les replays des lives en illimité. Si vous ne pouvez pas vous connecter à 18h30 pour tel cours, pas de problème. Vous l'avez payé. À partir de là, il est en replay, il est pour vous et il est en illimité. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut quand même bien comprendre que pendant cette phase-là de confinement, vous risquez quand même de prendre du poids parce que vous ne bougez pas. Ça paraît rien, mais lorsqu'on bouge, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va faire ses courses de manière régulière, lorsqu'on va chez le médecin, etc., lorsqu'on va chez l'esthéticienne, on bouge. Là, on ne bouge pas beaucoup. Vous risquez de prendre du poids. Tout à l'heure dans le live, il m'a déjà été dit qu'on commençait à se jeter sur le sucre parce qu'on s'ennuie. Donc voilà encore le genre d'astuce que je vais pouvoir vous apporter dans le groupe de soutien Facebook. Une des devises à laquelle je tiens énormément, à plusieurs, on va plus loin. J'en ai l'expérience avec mon coaching 25 minutes chrono. C'est exactement ce qui se passe. Ils sont plus de 100 dans ce groupe. Et je vous assure qu'à plusieurs, on va plus loin. Il faut le comprendre. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous assure que ça fonctionne main dans la main. On se serre les coudes. Donc ça, c'est une devise qui me tient à cœur. Et puis, bien sûr, gardons le smile. Voilà. Move, déconnect and smile. Je m'engage à vous faire garder le smile.
Je pense que j'ai fait le tour. Alors ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un système de cours à la carte. Donc là, bah, je suis désolée, ça va être payant. Bah oui, moi aussi j'ai besoin de vivre. Moi aussi j'ai perdu mon travail. Donc j'ai tenté de trouver un compromis bah, qui convienne à tout le monde. Donc ce serait des cours qui iraient entre 3 et 5 euros le cours. Hein, je vous rappelle que si vous prenez par exemple un cours de Zumba à 3 euros, ce cours est valable pour toute la famille et vous l'avez en replay et en illimité. Voilà, ensuite comment ça passe, bah, faut aller sur mon site internet. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore le sujet, hein. Tout de le créer. Hein. Donc, il faut aller sur mon site internet, Caro Coach Bien-être. Là-dedans, vous allez dans cours en ligne. Dans cours en ligne, vous avez le planning à disposition. Ensuite, vous choisissez le nombre de cours que vous voulez prendre, donc cours à la carte. Et puis ensuite, ben, il vous suffit de payer avec une carte bleue. Donc, bien évidemment, c'est un moyen qui est sécurisé. Voilà, à partir de là, je vous envoie, donc vous allez recevoir un email qui vous confirme les cours auxquels vous êtes inscrit. Et puis moi, ensuite, une fois que j'ai ça, je vous envoie un email une heure avant le cours pour vous donner le lien YouTube pour le live privé. Évidemment, il est privé, vous ne pourrez pas partager le lien. On a fait des essais, ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas partager le lien. Voilà, les lives, eh bien, on se connectera 10 minutes avant pour trouver les réglages. C'est pas forcément évident. On l'a vu tout à l'heure dans le live. D'ailleurs, je vous conseille tout de suite, si ça vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement parce que ça va vous éviter de perdre du temps, non seulement pour vous connecter, mais également pour chatter. Voilà, donc on va vous demander, je crois, d'accepter de créer une chaîne. C'est bizarre ce qu'ils demandent, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, évidemment, vous n'allez pas créer de chaîne, mais c'est ce qui va vous permettre de chatter. Et moi, j'y tiens parce qu'au début du live, 10 minutes avant, je vais vous accueillir comme je fais dans mes cours et j'ai besoin de savoir qui est là. Voilà, donc si vous êtes des élèves que je connais, je vais vite reconnaître les prénoms. Hein, je connais mes élèves, j'en ai 400, je crois, à peu près. Si je ne vous connais pas, justement, je vais pouvoir avoir une attention un petit peu particulière pour vous. Donc, quoi qu'il le soit, j'ai quand même besoin de savoir qui est là, qui est connecté pour pouvoir vous parler, pour pouvoir faire comme dans le cours, pour pouvoir avoir une attention sur vous. Ça j'y tiens, vraiment. Et après le live, eh bien, on discutera si c'était dur, si on a bien transpiré, si ça nous a fait du bien. C'est pour ça que dans le planning, vous pourrez constater qu'il y a toujours une demi-heure de battement entre les cours, tout simplement parce que je vais garder du temps pour échanger avec vous et avant et après, toujours pour garder le contact, toujours pour vous soutenir, toujours pour vous accompagner, vous féliciter, vous encourager. Et puis, bah, comme je suis toute nouvelle dans la technologie au niveau de YouTube, je pense que cette petite demi-heure va me suffire à me reconnecter sur le lien suivant pour donner le cours d'après. Voilà, donc une demi-heure. Et puis, on verra encore une fois si jamais on est encore confiné. J'aurais pris la main, j'aurais l'expérience et peut-être que je pourrais réduire les créneaux sur la semaine d'après. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, au niveau des cours, donc j'ai 13 cours qui vous sont proposés pour la semaine prochaine. Cela dit, tout à l'heure dans le live, on m'a demandé du CAF. Qu'est-ce que c'est le CAF? C'est cuisse, abdos, fessiers. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis en train de voir avec la personne qui s'occupe de mon site internet comment il est encore possible d'intégrer un cours. Ce serait visiblement le mercredi, donc je travaille là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? Les réglages, je vous l'ai dit, la chaîne, je vous l'ai dit. Suite à ça, bah, je vous accueille sur le groupe privé Facebook. Et puis, bah, c'est parti, hein. C'est parti, voilà. En tout cas, comprenez bien que je ne vous lâcherai pas, que vous soyez seul ou en famille. Et je pense notamment à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Voilà, j'en ai des petits frissons. Ça va être très dur pour ceux qui sont en appartement et qui n'ont pas le balcon. Donc, encore une fois, je m'engage à vous soutenir, je m'engage à être derrière vous. Je suis une femme de parole et je ferai vraiment de mon mieux pour être avec vous. Et on ne laisse pas bébé dans un coin. Voilà, donc si vous avez envie d'être soutenu, d'être accompagné, de prendre soin de vous, de booster votre système immunitaire, de vous amuser, eh bien vous êtes les bienvenus. Les inscriptions sont ouvertes, c'est sur mon site internet carocoachbien-être.com et je vais essayer de mettre le lien sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour certains. Au revoir.